Désir Venesse, laissez-moi dire que dossier KPT avec KPM Kounia prend l'autre dimension, puisque il y a un pile secteur, il y a un pile acteur, il y a un pile dirigeant politique, il y a même qui continue à lever voyou, dimanche qui a lever voyou, notre dossier qui est pour avec bataille ça qui déclaré et bataille ça qui déclenché entre KPT avec KPM Gaïkouni. C'est vrai que, et pas ça que un peu monde te souhaité, c'est vrai que un peu monde te souhaité ouais, que deux têtes exécutives là, que yo entendu arrangé yo, yo pote résultat réponse avec sa paye qu'on est là, mais pour un peu monde en observation yo, yo ouais, que c'est on litige son bataille qui existait pour que ce poste ministériel cap bataille entre nèg yo sous question de révocation trois conseillers yo et ça veut dire que peuple haïtien li perdi espoir et li dit que quel que soit le KPT quel que soit le koni et quel que soit le koni pas gain en sérieux que deux têtes ça a venir régler dans intérêt peuple haïtien et je dis nous capable garder clairement que gon véritable tolalito. Vous imaginez que chaque vendredi, tenez bien, pour me répéter parole PM Gaïkouni et pour me répéter parole que conseiller non et conseil. Chaque vendredi, yo toujours organisé conseil des ministres. Ça veut dire que ministre et puis conseiller président yo. Eh bien, il presque 4 à 5 semaines là, pas jamais que ça n'est au conseil des ministres. Raison à l'ICEP, et parce que ni KPT, ni KONI, n'est qu'à couteau tiré. Parce que, il y a ensemble des secteurs dans la vie nationale là, il y a clairement dit que KONI, puis il y a la chita avec les conseillers, avec présence 3 conseillers qui nous cité dans le scandale corruption. Et Gaye KONI lui-même, qui quittant ça que le secteur soit abdil, il clairement dit que, li pas pral chita avec. Alors, on dit bien que li mandé avec KPT, puis il arrange. Je commets Jean-Jacques pour que yo dit un mot sous dossier 3 conseillers qui impliqués dans le scandale corruption. Peuple haïtien, n'a posé question qui côté bataille ça privé et qui côté que on dit ça qu'a fait là est-ce que l'a été peuple haïtien ou est-ce que la vie plus mal pour nous dans condition la vie nous pendant que bandi continue à tuer mon Solino, bandi continue à tuer mon Front National, mon nasse apprend la rue, mon tout côté apprend la rue parce que yo dit pas capable encore avec insécurité, avec rangou, misère, chômage que d'Haïti après la désivenesse. Mais dans son modèle situation qui gagne dans le pays, il y a un gros cassé, malgré un pile dans le monde qui vivent là, vous pensez que c'est qui a été fait avec l'expérience qui a connu là, avec le conseil présidentiel transition, qui aurait le KPTA, qui est neuf membres là-dedans, mêlé avec le gouvernement qui est a dirigé. Mais malheureusement, il semble que Mounio a perdu dans le mi-temps et l'an mai, parce que jusqu'à présent, si vous regardez la situation, volonté de mon côté, ensemble, il n'est pas pratiquement manifesté. Malgré diverses comptes à PC, donc en fait, pour garder et qui se capte des situations, quel le ministère économie et finance, Yosita, ministre touriste, Chita, ensemble, vous discutez, pour garder qui se capte faire l'autre approche, surtout pour le secteur culturel, et lui veut comprendre que pour promoteur gagne plus de valeur, mais je veux dire, qui côté, vous pouvez arranger pour faire visite, surtout ça qui est pour avec session culturelle. Les pays qui pratiquement a plongé, ensuite par rapport avec section économique, on a dit, et tout secteur économique pratiquement à genoux par rapport avec insécurité. Ben, et pas seulement secteur, et pas seulement secteur culturel, hein, c'est tout secteur net, je dis en désir. C'est tout secteur net qui a genou par rapport à la question de sécurité. Hein. Parce que imagine un ensemble d'artistes haïtiens qui sont obligés de quitter Haïti, soit que résident au Canada, la France ou bien la France, et ou bien États-Unis. Un ensemble de groupes haïtiens qui sont obligés de résider aux États-Unis, Canada ou bien la France, à cause de la question de sécurité à désir, on a dit. Très bien, situation qui est là, en pile fois, montrer les saisons de l'école arrivées, lui permettre que Timachin, lui permettre que tout le monde essaie de regarder qui est au capable. Mais je dis, c'est courir que mon a courir, qui était ensemble espacieux dans le capital pays. C'est presque chaque jour que vous entendez, ils ont organisé les droits humains apporter des informations, des détails sur ce qui a passé en dedans pays et montrer que la situation est beaucoup plus grave au lieu qu'elle améliorer Blaise Peterson. Ministre éducation nationale d'Haïti. Nous voulons parler de Antoine Augustin. Qui fait connaître que l'État octroie un pile kit scolaire pour année scolaire. C'est bilan qu'elle a fait. Pour ça, qui vient pour avec question de réouverture des classes pour année académique 2024-2025. Selon données qu'elle publie, il fait quoi gagner 66 000 kits qui distribuent dans divers départements à travers le pays. Elle garde le département de l'Ouest, département de l'Antibonite, Grand-Anse et département de Centre. Il dit chaque département ça recevoir 8 000 kits. C'est nous qui bénéficiait plus qui bénéficiait 10 000 kits pour qui cap pratiquement permettre que Timounio au moins à recevoir plein de l'instruction. L'effet qu'on est ensemble matériel ça que distribue les personnes
c'est le matériel qui était là depuis sous Nesmi Maniga, que les distribuer là parce qu'elle déjeune ça ou là. Je dis, mais pas oublier, il y a des enveloppes qui allouées avec ça qui vient pour elle, avec le ministère de l'Éducation nationale ou bien ensemble, ministère. Si elle déjeune ça ou là, eh bien, il y a quelqu'un pour le bail de détail sur ça qui concerne ensemble l'argent qu'elle gagne. Blaise, bataille qui gagne entre tête exécutif, c'est toute une planification. C'est toute une planification en communauté internationale là, avec Silao qui en Haïti, pour faire jet, piquer, coller, coller au brin, pas coller au brin. Est-ce que vous partez des gars qui dit, lui-même avec les six Voltaire, il y a des bonnes relations. Il y a pratiquement, et depuis longtemps, il y a des échanges ensemble. Et je veux dire, qui ça permet? Pendant que chaque mon tête exécutif est là, il n'y a pas qu'à entendre vous chita parler, pour chercher à résoudre le problème qui est là. Pas oublier. Tout pouvoir de transition, Blaise Peterson, Bichita sous base, à fond, côté Mounsao, besoin d'instabilité pour faire plus de temps. Tu as parlé, dès le début, nous t'avons dit ça bon ici, nous t'avons dit Mounio, que ce conseil présidentiel de transition, c'est aux crises, en de crise, que le pays d'Haïti a connu là. Je dis, il y a des gens qui ont dit, nous raison, mais ce n'est pas pour raison, nous pas bataille pour raison, nous avons bataille pour pays. Parce que ça qui a fait là, il n'y a pas lieu, parce qu'il y a rien qui semble avec le pays qui a changé la situation. Blaise, citoyen, citoyenne, habitant, qui courent, qui te poursuivent. Après un mois, cinq jours, massacre poursuivent, ils ont foulé béton dans la cité Nissa et Sagé, dans la ville Semak. Ils ont lancé un pile parole, puis mon bouc, contre les vice-délégués, l'arrondissement de Semak. Ils ont lancé un pile parole, puis mon bouc, contre les magistrats. Semak, là, nous voulons parler de Myriam Fièvre. Ils ont dit ensemble, Mounsa, servi avec massacre qui fait poursuivent, puis ils ont fait gros l'argent. Je parlais de l'argent cash que tu as voué sous compte mon cash jusqu'à présent, il n'y a pas de jeune. Je parlais de 800 000 plachots que PAM de Zeta bail. Eh bien, c'est 2500 personnes tout simplement qui touchent pas pour la question ça. Pour ça, je nerve. Je lance plusieurs messages. Je vais devant le commissariat qui est dans le CEMAC, devant le paquet, devant le commissariat dans le Passoal. Et je vais finir dans le Carrefour pour sonder, pour demander autorité pour dégager pour résoudre le problème de sécurité. Bandit, bas gang, il faut l'ouvrir coup de zam sous un convoi. Qui t'a sauté sous frontière, qui t'a traversé Morolianco, on se fait recevoir balle dans pour être à le prendre soin qui cal nécessité dans l'hôpital l'institution. Désolé pas qu'elle a ajouté que gagner ministre des affaires étrangères pays. Attendez mes amis. Attendez bien ça me dit en hein, désir et décidé déjà dans émission que nous fait dans mi-temps journée hier hein? Et m'a seulement rappelé attendez ça ministre des affaires étrangères pays c'est demain n'a dit et libère un gros souffle marassa. Avec un ministre des Affaires étrangères pays d'Haïtien, Madame Dominique Dupuis. C'est vrai, son madame, que un peu mon apprécié pour capacité, le reste c'est une belle tête, en termes de capacité intellectuelle, il y a vraiment un peu mon apprécié. Bien que, il y a de l'autre qui est que, et ce n'est pas un de sérieux qu'il a réglé, selon ça, un peu le monde dit. N'a pas songé que, dans le jour de samedi 2 novembre, non, les que gouvernement, qui dégage présence PM Gaïkouni, ministre Dominique Dupuis, porte-parole PM nan Jean-Jules Desauguste, et puis ministre environnement, pour me citer ça seulement, mais et autorité locale, autorité municipale, et de ces citoyens de jeunes, dans le communiqué SCOF, ils ont été décidés réunis pour que ils soient capables de parler sous situation pays. Dans l'intervention Madame Dupuis, on a rappelé ça. L'été dit que l'insatisfait par rapport avec baisse en réduction dans quantité haïtien qui irrégulier qui illégal aux États-Unis c'est le même que l'État dominicain qui gagne tête Luis Abinadel que lui-même a déporté la canon Haïti. Ça veut dire que pas oublier que autorité dominicaine nous dit que chaque semaine il a déporté 10 000 haïtiens qui irrégulier qui pas en règle. En pile voix élevée, l'État haïtien, en pile monde parlé sur dossier ça. Et Luis Abinadel, avec l'État dominicain, il n'y a pas campé sur déportation. Mais, moi dis bien, dans le jour de samedi 2 novembre, le ministre Dominique Dupuis, il était content. Il dit, il est content pour réduction dans la quantité haïtienne que l'État dominicain a déporté en Haïti. Et ça arrivait, prend comme décision à réduire la quantité haïtienne qui a déporté yo, avec action que le gouvernement posé, l'État haïtien posé. Eh bien, est-ce qu'on est gagné Fadrid Rafoul, qui c'est une autorité dans le gouvernement dominicain, non?
Li dit que li démenti Dominique Dupuy. Li dit bah comme ça. Li dit que déclaration Dominique Dupuy a menti. Cette histoire comme si l'État dominicain est réduit dans la quantité 10 000 Haïtiens qui ont été déportés chaque semaine. Non? Eh bien, il fait qu'on est que, sorti de 2 octobre pour arriver 5 novembre. Tenez bien. Sorti 2 octobre pour arriver 5 novembre, sur un intervalle un mois, l'État dominicain déporté 60 961 migrants haïtiens. 60 961 migrants haïtiens. Elle dit, comprenez bien. Elle dit là, non, moi, si on fait calcul là, elle dit, chaque semaine, vous avez déporté plus que 10 000 haïtiens. Je ne sais pas, côté madame du jeune chiffre, ça lui-même. Alors, il n'y a pas de chiffre, non, mais côté jeune diminution haïtiens qui ont déporté, côté jeune donné ça. Est-ce que c'est à travers Haïtien qui a sorti dans la frontière qui a rentré, il a enregistré ou pas? Bah, on est. Est-ce que c'est Diodil que quantité Haïtien qui a rentré diminué? Bah, on est. Mais autorité dominicaine, il a démenti madame Dominique Dupuy. Puis là, m'a dit, moi, est-ce que nous en a affaire avec une équipe de bluffeur dans l'État? Parce que c'est clair. Parce que nous avons dit clairement que nous en a affaire avec un ensemble de bluffeurs dans l'État. Quel que soit le bon côté KPT, quel que soit le bon côté Kouni, avec deux membres du gouvernement là. Parce que, je ne sais pas la fragile là, pour que Mme Dupuy a fait mon croire que, eh bien, il a diminué pourtant, mais une autorité dans le gouvernement dominicain a démenti. Et, je ne sais pas, je suis capable de croire, parole, autorité dominicaine là. Parce que c'est lui qui a voulu aller. Et lui qui a voulu aller, et lui qui a voulu aller. Et lui qui a plus qu'à croire. Que autorité haïtienne non que madame Dupuy. Donc je dis hein mais que en pile là nous comprendre mais que en pile là nous comprendre que pour nous avec qui genre de monde que nous en a fait regardez avec qui genre de soi disant monde que les autorités que nous en a fait dans pays d'Haïti quel que soit tes capitaux parce que get trois bon dans capitaux qui tu pas faire une porte connu même capé que la gourmet avec Leslie Voltaire. Les Voltaire dit l'affaire Emmanuel, il dit non, faut évaluer et ministre au moins même en temps normal, il doit évaluer en période de 6 mois. Gary Kony exigé avec EKPT pour prononcer sur dossier sur dossier ça et en pile homme politique qui suivent. Et surtout on est à coup ancien PM Jean-Michel Lapin. Monsieur dit en sérieux. Même les l'état t'a des problèmes. Entre les problèmes entre la primature avec la présidence. Mais il n'y a pas qu'à traiter problème l'État dans la rue. Il n'y a pas qu'à traiter problème l'État dans la rue. Parce que selon PM, en CPM, Jean-Michel Lapin, il a vraiment critiqué le comportement langagier que PM a connu. Là que c'est en public pour le demander avec KPT pour le dire un mot dans le dossier, trois conseillers. Sinon, l'ITK réuni avec KPT1, avec président KPT1, elle dit président, mais ça pour faire. Ou obligé de dire un mot. Alors, et pas mais ça pour faire, non, mais ou obligé de dire un mot. OK? Ou obligé de dire un mot. Alors que, et pas ça qui fait. Alors que je dis, et pas ça qui fait. Blaise, bon bagage oublié. Salut, frère. Président KPT1, pas qu'à dire un frère. Qui est-ce qui cause président vient de côté lié à et dis-toi nex ça qui est impliqué à c'est toi corrompu yo jodi nous trouvons une situation qui est très délicate pour nous sortir là-dedans il y a besoin caractère il y a besoin conscience parce que 9 nous sommes qui dans le conseil présidentiel là yo d'accord que vous êtes volé please dis pas toi nèg seulement non toutes 9 nous yo d'accord parce que yo dit on soit fréquenté c'est lié. Ou d'accord qu'on est moun yo la corruption, ou chita bon côté yo, ou a fait réunion avec yo, ou a décidé avec yo, ou a mette signature même côté avec yo, ou pas l'autre bagay. Sinon, quand on même espace, et yo te clair, tout moun sa yo qui n'a conseil présidentiel transition, yo te dit yo tapton, décision ILCC. Il te dit contre corruption en pays d'Haïti. Leslie Voltaire te dit sa propre bouche pas le même, Leslie Voltaire te dit. 22 jours avant rapport ULCC a été dit et si je joue Mounsa et Nexa ou ta impliqué vraiment il a décidé mais je dis à pour dire politiquement qu'est-ce qui se passe je dis ça passe
Li décide. C'est quoi ça que je veux dire? Ah bah, li décide, frère. Ah bah, li décide vraiment. Parce que les chefs ont avec trois nègres et puis il est venu président. Alors, il est venu président, mais il est venu prendre place, Smith-Augustin. La situation, même parce que nous avons un pays qui trouvait une situation qui est extrêmement difficile. Parce qu'il est sorti, oui, il est sorti. Mais il demandait un grand sacrifice. Dans chaque secteur, dans chaque monde qui vivant dans le pays, chaque haïtien qui est ou bien dans le pays, il faut qu'on ait doit consentir un sacrifice. Moun ki la pa remen pays a. Pi gwo vérité. Youn nan représentant secteur ki gen nan conseil présidentiel transition, petit Dessaline, Moïse salte di gouvernement la, li pa gouvernement peuple la. Malgré ce qu'il a fait parler, il t'a parlé. On doit comprendre que moun ki la pa dirige pour haïtien, les personnes. Il a dirigé pour l'Occident. Il a dirigé pour tête yo. Nous besoin très 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 prudent. Nous besoin méfiant avec comportement qui vient là. Monsieur Moutren, qui a déplacé Pion. Pour date que vous dites que vous installé 7 membres du conseil électoral provisoire. L'idée est 9. Côté l'autre des secteurs, ça que vous pas ajouté. Ça que vous pas venu avec. Qui a sa prétendre? Qui vous avez fait pour vous? Moi-même ou bien vous-même qui vous avez fait pour vous? Vous avez passé vous dans la bêtise. Vous avez eu un cas pour vous mettre campé. Ok? Vous organisez qui prend là pour contrôler l'action gouvernement, pour contrôler l'action. La présidence, je dis en vrai que ça fait, il y a pas seul la bêtise, il y a oublié, il y a monté que c'est comme si c'est un bagage qui est important. Il y a parlé de KNS, Conseil de sécurité nationale, il y a pas besoin de mettre le campé. Je dis en est qui président du Conseil présidentiel de transition, c'est lui-même qui a choisi la sécurité. Qui est-ce qui a comme expertise dans la sécurité qui fait, c'est lui-même qui a chanté ça. Ou pas sentir que négocier dans notre Iboï, c'est une situation très difficile, que vous voulez qu'un BPIA. C'est vrai, on est qui la valasse. S'il a le résoudre le problème de sécurité, il a résoudre. Parce que nèg yo commencé avec ça dans le pays là. Yo connaît moun yo, mais moun yo te connaît, c'est pas au clan encore. Parce que majorité moun yo te connaît, c'est dans moui, c'est relève qui fait. Mais c'est même outil yo. En pile dans outil yo dans nèg yo. Non pile dans stratégie que nèg yo a utilisé là. C'est stratégie nèg yo. Leslie Voltaire qui au moins je dis à. Non tête concernant. Exactement, au moins. Si tu as essayé de te faire bilan. Et 4 mois arrêté. Chaque nègre passé, nous avons dit, Edgar Leblanc fils passé, lui sale mentalon, lui vire l'école, l'aller. Ok? Lui quitte pratiquement dans une situation difficile là pour contre nous. Lui quitte dans une situation compliquée là pour contre nous. Il toujours a touché l'argent de l'État. L'autre l'a vini, et dans le bagage, si coup de bécagne, il a chaque fois un coup, il a fait l'argent, il a viré. Et puis ça fait peuple haïtien, il va continuer à abdominer la rue, il va continuer à courir par-ci par-là. Il a dit, nous avons besoin. Grande dimension, nous avons besoin de caractère pour sauver l'honneur de la République. C'est soit nous arranger, nous shooter Mounsaïo, qui est en ville d'accueil, qui constitue tête comme président de la République, nous descendons de la primature, nous shooter. Vous avez équipe Mounsaïo qui n'a pas réglé un pour le pays. Mounsaïo n'a pas réglé un pour le pays. Blaise, songez que nous parlons pas ici. Nous disons ce soir, nous faisons révolte, nous révolter contre ça qui est implanté contre nous. Secteur privé comme le secteur privé, mafia qui l'a, ils sont confortables avec ça, il n'y a pas de pièce contrôle. Mais vous faites contre le bandit de l'Ouane, vous voulez. Bon, exactement, parce que pas oublier que un de nek qui dans classe politique là, c'est sûr le c'est resté avec et moun qui dans oligarque compliant Haïti là, yo c'est métier, yo c'est esclave moun sa yo et tout ça demande tout ça yo dit fait appel. Je dis à moi c'est qu'il faut nous comprendre situation ça on ça désir. Deuxième nous parler en question insécurité hein, puisque gagne ingénieur Wilbert Desommes de Balatibonite et monsieur dit des bagages qui me trouvé qui intéressant. Et moi c'est en pile moun qui a suivi mission ça. En pile, on presque fait même réaction ça au tout. En pile, on presque fait même réflexion ça au tout. Dans la réflexion que l'ingénieur Wilbert Desommes fait, hein, sous dossier ça. Parce que, on imagine, on va d'accord avec des hein, que vraiment, est-ce que qu'il y a volonté pour que ce soit insécurité à résoudre, bien que moi, la police dit que, et dans la journée qui était 6 ans, il a été mené opération dans force info nationale, plusieurs bandits tombés, bon, et ça a dit, bon, on connaît la police, bon, moi, j'ai prêté la police, et m'apprenne pendant que, dans la journée qui était 5 à 6 ans, il a dit que plusieurs bandits tombés, mais dans la journée qui était 7 ans, m'apprenne que les bandits ont retourné à aller dans force nationale, dans Solino. Je fais des gars. C'est-à-dire, chaque fois que la police frappe, ils ont même eu des réponses. Et malheureusement, pour bandits, ils ont eu des réponses. C'est malheureusement, ils ont eu des réponses. Donc, laisse ça. Ils n'ont pas campé trop que cogne avec la police. Au lieu que c'est malheureusement, comme si Grébos Kosuyo, vaut mieux que les police là, les armées là, les missions là, qui ont eu avec eux. Laisse ça, pas de problème, moi-même, c'est moi-même.
Tant qu'on a dit, et chaque fois que la police s'est checkée, tant que j'ai un criminel notoire et terroriste, toujours dit, il y a un grand lion, tant que j'ai un ambassadeur qu'on dit, chaque fois qu'on a dit que c'est un grand lion, exactement. Et en nous venant avec l'ingénieur Wilbert Desormes, monsieur qui fait qu'on est que, ça qui est comme crise de sécurité, hein, l'État vraiment responsable. Dit ou bien ça, et m'a dit tout auditeur, mon qui va attendre des nouvelles là, l'État n'en bluff. Parce que m'a pas d'accord ni pour chef la police, ni premier ministre, toute autorité dans l'État pour y a dit que y'a pas qu'à faire face à gang. Comme si gang n'a gagné plus entraînement passé la police, plus entraînement passé l'armée, plus entraînement passé étranger que nous avons dans le pays. Il y a plus d'âmes parce que étrangers, nous avons des chars blindés, nous n'avons pas de blindés. Si nous avons des blindés, nous ne prenons pas. Donc, comment l'État est capable de faire dire que le pas gagné avec gang? Ça, je ne comprends pas. Vraiment pas. Et je ne peux pas vous pas ici chercher à comprendre ça, c'est que l'État pas appelé. Ce n'est pas possible. C'est où contrôler pour vous. Vous avez dit que vous chargez la munition, même si vous avez des gros âmes. Mais vous êtes capable de faire un gens, vous avez peut-être un délai pour empêcher les munitions de ne pas arriver sous nous. Si on empêche le ministre de arriver sur les armes dans son bout de bâtonnier, et moi je vais le plusieurs fois. Donc, qui est la stratégie que l'autorité haïtienne développée pour faire face à lui? Depuis qu'il est route nationale occupée par les gangs, il y a une post-péage. Gang a tellement senti la l'aise, surtout sur le canal, il a tellement senti la l'aise, il a tellement fait comme il a besoin de chita pour y aller jouer comme il a, il n'a pas fait péage encore, il a attaqué à Kaye. Ils ont attaqué et ils prennent commissariat cabaret, ils ont attaqué Akaye parce qu'ils disent que c'est Akaye avec Kabaye qui empêche de prendre la Tibonite. Donc, ils ont pris un travail qu'ils ont fait là. Ils ont pris un département de l'Ouest, qui est le plus gros département du pays, et puis ils ont pris un deuxième département, la Tibonite. C'est une grosse stratégie. Donc, c'est Akaye dans la tête qui empêche de ne pas arriver. Et c'est ça que fait dire la Tibonite, tu supposé aider Akaye. Parce que si on prend Akaye, ils prennent la Tibonite. Donc dans ce sens, je pense que les gens qui dirigent l'État, les policiers aux moyens, l'armée aux moyens, les forces étrangères, et puis avec volonté, ce n'est pas possible, monsieur, de payer non pour ça. C'est rôle pour nous protéger la population haïtienne. Non. Pas faire le monde quoi, c'est bluffer nous. Pas déjà qu'on dit bluffer nous, mais au moins font des bagailles. Font des bagailles. Pas venir dire que nous n'avons pas de moyens pour nous gang. Si nous disons que nous n'avons pas de gang, les peuples haïtiens continuent de mentir. Ou bien ils apprennent tous comme complices qui a comploté contre la population haïtienne pour nous faire des ordres. Mais qui s'en vient d'elle? Mais moi, je pense que nous avons des possibilités de nous gommer, nous avons des moyens de nous gommer parce que nous sommes force légale. Il faut que nous dégagions pour au moins nous finir avec bagaille ça pour au moins la population haïtienne en carré à souffre. Quelle que soit la réflexion de l'État sur la crise haïtienne, il y a des difficultés pour trouver une solution. Parce que bah, à l'arrivée au niveau, on va demander est-ce que son bagage est normal. On commence justement à questionner tête moi. Est-ce que les gens haïtiens qui mettent le pays à côté de l'IA, est-ce que nous sommes haïtiens vrais? Parce que l'homme est conscience haïtienne, je pense qu'il y a une certaine sensibilité pour supposer gagner. Même si on a gagné l'autre bras qui est derrière. Qui vous faut faire ça parce que c'est mon avant tout. Même bête là, les gens entendent au Kounouel, ils ont des gens qui vivent entre eux-mêmes. Le fait que nous sommes haïtiens, nous formons en communauté, je ne crois pas que nous-mêmes qui formons une communauté, nous obligés de travailler chaque jour pour nous craser. Donc là, ce n'est pas seulement un bagage de gangstérisation, de bandits, là, c'est plus loin que ça. Donc réflexion obligée, plus poussée. Pendant que les gens qui disent autorité dans le pays a travaillé pour créer la sécurité. Mais même les quand tu as fini résoudre un peu la sécurité, tu as gagné un moyen pour les gens circuler librement, mais il faut que les Haïtiens posent des problèmes de l'haïtianisation. Pour nous connaître qui est le problème, est-ce que c'est dans l'esprit, est-ce que c'est dans la culture, est-ce que c'est un bagage normal pour les Haïtiens à vivre dans les conditions de vivre. Est-ce que c'est normal pour nous ne jamais progresser? Pour chaque année, chaque jour, mettez s'écraser, n'abcraser, n'abcraser, jusqu'à ce que nous vînons un pays qui vient plus pauvre dans l'Amérique là, et plus pauvre même dans les Caraïbes là. Pendant que son pays a un passé glorieux
Donc est-ce que c'est normal? Donc là, je pense que faut que le monde réfléchisse sur ça. Il faut nous questionner le problème pour voir qui j'en ai apporté des solutions. Mais comment même quand par exemple gang Cité Soleil ou même gang Solino, je sais que les gens ont couru des gens. Mais c'est là qui est le problème. Je me dis même si on monte ta pousse pour gommer, mais comment on fait normal pour craser les zones qu'on était? Exact. Parce que ou pas qu'à vivre pour qu'on tout. L'opou il est tout le monde craser tout le monde. Mais tout le monde a crasé ou bien petit frère, ou bien cousin, ou bien matin tout, ou bien femme ou la donne, ou bien petite porte qui vous gagne pour l'école, ou bien petite porte qui vous entraîne dans la société. Comment on sent-il pour lorsque petite porte paraît dans l'équipe de jeunes, même j'entends pour eux, et puis mon apou écarté. Il n'est pas normal. Même parce que je toujours dit bandit pas conscience. Même parce que depuis ces monde quand même, ou bien conscience qui démerde dans vous-même. Conscience qui fait mal là. Même conscience ça, on a converti en bien. Ce n'est pas possible, monsieur. Ce n'est pas possible. Si vous dites que son bataille est peiné contre un système, mais l'autre, tuez propre monde qui est beaucoup de là. Contre qui système? Parce que le monde qui vit beaucoup de là, il y a le même problème avant. Il a subi le système dans tout. Si tu as un système, tu vois que c'est vers le monde qui crée le système ça, ou tu as fait, au moins tu as gagné quelques monde, n'est-ce pas, qui sympathise avant. Mais là, ça propre monde pour abouer. C'est pays à craser. C'est rien à prendre pays à plus mal. Et c'est le système qui a bâché. Donc, je ne pas comprendre ça. Et je t'ai souhaité que au moins vous preniez un peu de conscience pour connaître que vous êtes haïtien. Malgré tout, vous êtes haïtien. Vous avez besoin de monde pour vivre ou charger l'argent. D'ailleurs, nous faisons pile kidnapping. Nous faisons post-payage, nous avons des gens qui vont dans l'argent, nous faisons un paquet de bagages qui permettent de nous. Nous tellement de gens c'est comme le soleil. Si le cobla est normal, si la société va fonctionner, va fonctionner à cobla, qui ça cobla utile lorsqu'on n'a pas fonctionné vrai avec elle? Est-ce qu'on va garder le cobla seulement parce qu'on va venir pour être tout le temps sous terre? On va mourir. Mais si on va mourir ou bien l'argent, il faut avoir des moyens pour vivre avec ou pas qu'à vivre avec comme ça ou pas qu'à blanchir, comme ça ou pas qu'à mettre la banque, comme ça ou pas qu'à faire. Les amis ont toujours acheté avec balle. Mais on achète les amis à balle pour tuer les gens. Qui ça l'utile? Un peu de conscience. L'autorité haïtienne qui dévoile. Pour qui ça, ou obligé chaque matin à mettre rad sur vous, machine dans mon, klaxon, ou bien dans le bureau, fait qui ça? On a un petit exemple là dans la ville de Saint-Marc. Des années. Nous n'avons jamais gagné un courant électrique. L'électricité va fonctionner. Moi-même, question à poser des points. Est-ce que le bureau électrique, là, il y a des gens qui viennent là-dedans? Le bureau d'électricité, c'est des gens qui viennent là-dedans? Qui ça vient faire? Quand nous sommes tellement habitués avec ça pas bon, nous sommes tellement habitués avec vieux bagages, pas venir dire rien. Où est-ce qu'on fait manifestation encore pour l'électrique? Pour l'électricité? Où est-ce qu'on fait manifestation pour la vie meilleure dans le pays? Kounya son seul bagage qui occupe l'esprit c'est monde, insécurité. C'est ça qu'on m'a dit. Est-ce que pas bon plan justement pour mettre des pays à côté de l'IA pour avoir des préoccupations sur préoccupations et puis laisse ça, ça qui préoccupant là, c'est la dedans nous rester. Donc ça veut dire une société comme ça pas gagner progression qui fait pas d'un. Donc on nous dit que l'autorité cap touche pour qui raison que nos pays pour qui raison est obligé à habiller, pour qui raison il y a l'ambiro, il y a l'ambiro pour faire qui ça? Premier ministre, conseil présidentiel, qui est yo? On nous prend chaque jour, on a perdu du terrain. Les sous-jovenel, nous avons Matissan qui a commencé. Et c'est seul Matissan peut-être qui a créé problème. Tout le monde est libre. C'est au-dessus de là qui a un problème là-dedans. Jovenel, nous n'avons tellement pas fait un jovenel aller, nous venons à Ariel. Bandit commence à prendre des zones. Ah, nous voyons Ariel aller, nous pensons que ça a été un bagage, nous perdons des zones. Port-au-Prince dit à plus de 85%, nous perdons ville, nous perdons zone métropolitaine. Non. Si, dans la zone métropolitaine, c'est là toute l'autorité aurait été. À 85% de bandits occupés, 15% qui ont été mis en. Donc, est-ce que vous avez un orgueil comme chef, comme autorité, pour un côté pour bandits empêcher de parler? Regardez jusqu'à présent. Nous avons fait 6 magri pour nos prédécesseurs dans le palais. Nous courons qui te parlent, nous pas prédécesseurs. Nous avons l'autre côté. Mais quand nous perdons le palais, nous perdons le champ de masse, nous perdons bicentenaire longtemps, nous perdons un paquet de zones. Mais au moins, font réflexion à quoi peut-être pas nous. L'État n'a pas qu'à prendre des filles dans le monde qui est illégal. L'État n'a pas qu'à prendre des filles dans mon paquet de bandits qui ont des âmes dans le monde illégal. C'est l'État qui vient contrôler le port. Qui ça l'État fait pour empêcher les armes à entrer, pour empêcher les munitions à entrer? Ça veut dire qu'on a dit une certaine complicité entre l'autorité et les bandits. Parce que si pas de complicité, l'État n'a pas dit qu'il va contrôler ça. Ou pas dire que c'est blanc pas d'accord. C'est blanc qui ne doit pas faire. C'est blanc, pays à pays blanc. Nous ne voyons pas ce qui fait aux États-Unis là.
moun yo yo di se peyi yo et yo prend responsabilité yo, yo élu président que yo vle. C'est pas président yo imposé yo, c'est ça yo vle. Mais nous-mêmes c'est deuxième pays d'espoir après dans Amérique là qui prend indépendance après États-Unis. Nous c'est premier pays nègre qui consacre l'indépendance, qui goumen contre l'esclavage. Qui ça nous fait avec l'histoire pays a? N'est pas normal monsieur. Un peu de conscience. Nous pas capable encore, il pas possible pour un pays continuer à dégringoler comme ça. Député, élection États-Unis d'où qui ça? Bon, ça me dit élection États-Unis dit que dans la vie les on mon a mené une bataille politique pour une volonté ferme. D'ailleurs, pour y avoir quand même de fait paraître dans le système américain, il y a des gens qui ont des connaît Trump, il y a qui dans l'immobilier, la famille Trump, mais soit ouais, monsieur son milliardaire qui gagne quoi. Mais sur le plan politique, il va te connaître. Et bien, il veut l'imposer, il dit le contre système non, la crasse du système non. Et quand on veut le comparable, il fait des bagages dans le système non. Il y a des bagages que nous ne connaissons pas, donc il fait non connaître. Qui ça pour y avoir, il fait? Il n'a pas payé taxes, ils ont inculpé parce qu'ils font paquet de pile des ordres. Et puis ils viennent au moment où ils imposent eux-mêmes au niveau de la justice. Parce que ça, monsieur, fait assez n'importe quoi, il n'a pas arrêté de mettre en prison. Il n'a pas même une chance pour le candidat. Ça vient montrer toute l'hypocrisie américaine qui a dit la prône démocratie, la prône de la justice à travers le pays, même la caille parle que la justice n'a pas fonctionné. Donc Trump arrivé à aller dans l'élection, malgré tout le bagaille que vous dites de lui, eh bien, Américain, ouais que c'est le carré de ses économies, économie américaine, non. Américain, ouais que la fierté, la force, le courage, n'est-ce pas vrai, et la domination américaine, vous sentez plus ou moins que la fuité. Donc, vous dites, il y a un monde qui a plus de fermeté, n'est-ce pas vrai, dans la parole, pour arriver à mettre et États-Unis sur le côté ouvré là. Donc, pour nous, c'est venu, c'est tout. États-Unis d'abord. Politique étrangère ou politique internationale pour l'autre pays. Bidou, ça pour qu'on intéresse, ça qui intéresse, c'est États-Unis d'abord. Donc c'est ça me parlait de l'égoïsme collectif. L'égoïsme collectif, c'est-à-dire, si on est capable de chercher n'importe qui côté pour le rendre États-Unis fort. Et là, il n'y a pas de tête pour fort. Donc, il remet le pays, il travaille, malgré tout mauvais caractère, de mauvais comportement qu'il a contre Haïtien, contre moi, contre ceci, contre cela. Mais ça que l'Américain accepte dans lui, c'est que monsieur Kembe parole. Il Kembe parole, il goumé contre le système, et puis il est arrivé président des États-Unis. Et c'est ça pour nous prendre comme leçon, nous-mêmes qui avons fait politique en Haïti. Nous obligés de lire. Monsieur Gon Lin, il va déjouer Lin, il était dans Lin. Ou obligé Gon Lin, il va faire politique. Donc Lin, soit le bon, soit le pas bon. Ça veut dire d'abord, il faut que vous fassiez la théorie, n'est-ce pas, de la ligne, et puis pour appliquer la théorie. Et c'est ça le fait, lui-même. Donc moi, je pense que c'est un exemple pour les politiciens haïtiens, pour ne pas vaciller leur position, c'est pour qu'ils aient position. Et c'est Nadi et président, donc sont un grand leader là. Son grand leader, d'ailleurs, tout ça, le cas au système, il sortit en côté, c'est lui fait non. Il fait non au point de vue politique. Parce que pas de monde qui est contre Trump. Je même connais que Trump est républicain, je ne connais pas des démocrates. Seulement lui-même, il paraît, il est entré dans le républicain, il fait monde marcher derrière. Si Trump n'a pas fait le monde mettre là, ou des autres Trump fait, qui s'arrête à faire remplacer? Ou elle met en position que le monde n'a pas remplacer? Hein? On est qui arrive à la justice, il y a plusieurs chefs d'accusation, il met en situation par arrêter, et parti républicain n'a pas révoqué comme monde qui représente les républicains. Au contraire, il fait mon marcher derrière jusqu'à ce qu'il arrive à gagner l'élection. Donc, son gros politicien. On met ça sur la question de la désir. Ah, bon, c'est avec peuple haïtien. Pour me dire haïtien, pas mettre en tête que mon affaire, mon nom. Il faut nous retirer l'esprit ça. L'esprit de la domination, n'est-ce pas, de la colonisation, dans l'esprit nous toujours. Il faut que nous retirer. Nous toujours penser que nous ne sommes pas maîtres, nous mettre nous sommes esclaves, nous sommes maîtres là-bas, nous l'ordre. C'est mon noyé. Nous avons longtemps nous sortis dans l'esclavage. Physique, mais mental non toujours occupé. Goumen pour nous retirer, n'est-ce pas vrai, l'esclavage mental là. Goumen pour nous affranchir, n'est-ce pas vrai, mental non. Pour nous avoir l'autre mentalité, pour nous connaître nous pour faire pour pays non. Personne ne va faire rien. Faut qu'on reconnaisse que pays ça, c'est pays panonier. Faut nous entendre, n'est-ce pas vrai, sur des positions qui permettent de développer dans le pays. Désir, et moi qui te font avancer, oui, sur ensemble de paroles. Ça me change, ancien député Wilbert Deshommes. Wilbert Deshommes, ancien député. Bon, député, tu vas quitter belle cause là, on va pas nous mentir, en Haïti et puis à l'étranger et tout. Monsieur, c'est ton gébé. En grosso modo, Désir, ça, réaction pour la sur après déclaration de député.
Ancien député Wilbert Deshommes, vous gardez la position, monsieur, yon nationaliste qui démasque tout mensonge, tout bluff que l'État haïtien a bail, quel tenait qui dans capité, quel tenait qui dans gouvernement, quel tenait qui dans la police, tout nègre sous bluff. C'est ça que vous comprenez, oui? Parce que, bon, si vous avez l'attaqué, qui puisse passer là, matériel qu'on gagne ou abdou qu'on manque yo même yo pa gagne vous même qui dit vous c'est président qu'après tant son l'autre président pour changer ça ou c'est président tout mais le président ça qu'après disposition pour changer la caillia ou gagne opportunité en caprend pour changer la caillou la visible situation nous trouver dans situation bloc sous bloc bon côté toute autorité qui dans l'état c'est ça me comprendre dans déclaration ou belles hommes bon il clair parce que ça les par exemple tout en PM Gary Kouni a dit que et même pas pour la police gen là a parlé pour dire la police a sous-estime et sous sous équipé et la police a si la police sans ça pas la tibatata avec tout ça yo y a cherché de faux prétextes alors que je dis hein la police gen plus que une soixantaine blindés comme il a blindé ou quoi il a blindé ou quoi blindé mais la police a gen plus que une soixantaine blindés. Et la police a gagné de nouveaux matériels en termes de munitions et puis pour capable mener opération. Est-ce que tout assez journée a plein on seul bagaille, la police a sous-équipée, la police a manqué matériel, la police a manqué sida ou est monsieur m'dit Ramon Amil service communication la police. M'dit service communication PM nan campé avec promotion propagande mais il a fait toute la cette journée tout regarder n'importe TV viré TV vidéo la police ici la police est là la police ici la police est là alors que réalité a dévangé moun yo li contraire des 10 PM nan tout en émission camper avec programme PDF photo par-ci par-là camper avec album photo avec album vidéo la fait hein parce que ça va être là hein parce que réalité a dévangé moun yo avec PDF faire photo tout côté aller ou aller dans toilette ou faire photo ou manger faire photo ou marcher faire photo alors comme si ou pas mon l'impression que la vie a bagarre alors que dans même moment que ou même faire photo ça yo bandi a tuer mon Solino bandi a tuer mon Front National bandi a tuer mon dans Semak bandi a tuer mon dans Savien bandi a tuer mon dans Gressier qu'il y a là ça va dire mon yo entre ça va vendre avec réalité à s'allier vous voyez qu'il rampé comme m'a regardé quelques jours là. Mbawe quelques photos dans album en album photo ben album vidéo on y a pas toi monsieur fait ton bagage dans ça parce que la propre sur capité à la mandé pour changer ministre et lui même il campé dans il pas dans question changer ministre ça yo il a dit capité à faut que dit un mot dans dossier trois conseillers qui impliqué dans scandale corruption yo et Ramon Amil tout avec la police là après tu fin faire gros fly tu fait mais il fait plusieurs fly premier fly il fait dit 104 bandi me présenter quelques grands âmes. Deuxièmement, il y a peu de diapres contre Solino. Et puis, chaque fois, bandi a fait coup de gars Solino. Il y a peu de présenté depuis le TV, depuis le bagage. Et vous avez un pas brûlé. Et dernier fait que vous faites, c'est les gens qui ont un et pas même en Haïti, même non. Et puis, vous présentez tout ça, c'est en Haïti. Et puis, vous avez un Kenyan qui a fait. Vous commencez gras, parce que chaque caille et puis, il a fait démagogie, rentrer dans le cas, dans ça vient. Pas dans ça vient, non, je ne sais pas. Il a fait démagogie. Il a fait comprenez? Il a fait démagogie. Les gars, on va à carbone, il va payer la tête. Ah, tu vas essayer de faire. Et les gars, les abnés, tu ne comprends non? Elle dit, ça, il faut comprendre la bien. Elle dit, nous, on a affaire avec des bluffeurs. Des bluffeurs, ni dans le capété, ni dans le coin, tout côté net, bluffeurs envahis nous. Deuxième, regardez là pour moi. Et. Ousmane Jean, Ousmane ça gagne mon frère. Ça gagne Ousmane Jean, ça passe papa. Moi Ousmane pas là tu. Et c'est la dit tu même. La dit tu venir aider nous. Eh ben papa. Maman. En dehors de Ousmane. En dehors de Ousmane. Et Ousmane ça passe même, pas la même. Il y a combat Donald Trump haïtien prend la rue avec Jimmy avec Tony Mix, fait tintin a fait l'obeil alors que la caille pas yo crasé. Américain pas voter Donald Trump pour intérêt Haïti pour intérêt haïtien que aux États-Unis. Si Haïti a besoin de monde pour voter, s'il a besoin de monde pour défendre l'intérêt, pour retirer la caille, pour garantir la sécurité, pour mettre la paix, pour rétablir l'ordre, pour rétablir la sécurité, nous avons un seul choix. C'est
vient mettre main pour une bataille pour sauver Haïti. Donald Trump, Obama te déporte plus que Donald Trump. OK? Dans l'élection. C'est non le pourquoi? C'est parce que dirigeant américain a transformé Tétio en dirigeant Haïti. Ça veut dire, politique américaine, ça fait nous prendre à cœur. Parce que toute situation que Haïti a connue là, question insécurité, non, je ne dis pas question seulement, ce n'est pas simplement une insécurité, mais je dis situation de destruction d'Haïti, elle dépend d'abord de la politique américaine avec exercée en Haïti. Si c'est la politique, l'administration de programme qui met de côté de l'IA, c'est gestion qui met de côté de l'IA, si c'est prise de décision qui met de côté de l'IA, si nous faisons politique en monde responsable, nous devons tenir compte des monde qui sont venus et qui ont gagné pour la charge pour remplacer Biden. Bon, moi-même, position à plusieurs reprises, je souhaite un Donald Trump, un retour de Donald Trump. Des gens qui proposent hypocrite, ils ont dénoncé Donald Trump, le fait que Donald Trump te dit Haïti tourne en saleté. Mais pour moi, c'était pour fouetter orgueil. C'était pour fouetter orgueil. Les parents. Et heureusement, vous avez dérangeant des yeux là-dedans. Vous avez dérangeant, pile, heureusement, Jean, vraiment dérangeant. Vous parlez pour Ousmane? Yeah, parce que vous avez dérangeant, pile, heureusement, Jean. Et vous n'avez pas vraiment attendu ça, heureusement, Jean, dit, peut-être nous excusez-nous auprès de Jean, mettez-nous. Vous comprenez? Mais vraiment, vous avez dérangeant, obligé, pas qu'à faire de la j'ai besoin d'attendre là, parce que nous devons attendre, heureusement, Jean, mais Nicolas. En grosso modo, Ousmane Jean est en montée que la position c'est sous l'été pour retour de Donald Trump qui donc on a dit ça. Mais saluer l'élection et nous camper ferme ensemble avec vous la décision déportation des migrants. Nous-mêmes nous appuyons et nous demandons pour utiliser des mesures drastiques pour nous retourner la caillou. Haïtiens a cherché un passeport ou tout on a cherché passeport, mais l'identité haïtienne est menacée. Le pays est menacé. Eh bien, donc, qui ça nous doit faire en tant que monde, nous, tout le monde qui est l'autre bord, retourner dans le pays nous, pour nous planifier, pour nous passer pays, pour nous libérer Haïti. Donc, vous favorable à une déportation massive. Vous favorable à une déportation massive, bon côté président du Bahreïn. Bien sûr. Donc, c'est ça la position de l'IHV. Mais... Nous demandons que, pour Haïtiens, tourner dans le pays, surtout le cadre BRH, professeur d'école, tout le monde qui parti, vini pour nous chita, pour nous planifier le pays, pour nous retirer, pour nous bayon, pour nous capables de vivre dans le pays, dans la dimension histoire. Eh bien, nous-mêmes, ça, c'est position nous. C'est ça que fait nous demander Donald Trump pour lui prendre des mesures drastiques pour permettre que tout migrant retourne à la caillou, tout migrant vini dans le pays pour chita, pour planifier le pays. Là, nous avons des nouvelles, ça, nous-mêmes, nous contents. Parce que nous devons être Joe Biden. Qui déjà a mis tout monsieur mal intentionné dans le pays New York, l'hypothèse en bas, la majorité des amis sont sortis de la Floride, pour être capable de créer un programme Biden pour prendre tout cerveau, tout cadre, tout intellectuel dans le pays d'Haïti. Eh bien, nous-mêmes, en UHVN, nous dit Donald Trump, il faut qu'il applique des mesures fermes contre la politique migratoire, ça, et puis voyez nous tourner dans le pays pour nous capable de planifier le pays. Hein. Les Haïtiens conséquents qui viennent là, qui viennent une bataille contre CPT, qui viennent une bataille contre Gaïkoni, qui dirigeant le pays, qui dirigeant le gouvernement par tâtonnement, et puis pour nous entrer dans l'intellectualisme, pour nous entrer dans des approches théoriques, pour nous entrer dans la dynamique de la pensée, pour nous développer Haïti dans toute dignité. Donc vous souhaitez, Donald Trump lui-même, l'y appliquer politique migratoire qui s'est metté tout le monde bien qui sûr, pas correct bien sûr. Dans le pays, y compris Haïti. Ce n'est pas le monde qui n'est pas correct. Le monde qui n'est pas légal. C'est retirer tout le monde, tout migrant voyé dans le pays pour venir chita, pour planifier le pays et puis pour être capable de joindre des pistes de solutions face à problèmes qui viennent dans le pays. Par exemple, mes amis, on nous prend un exemple très classique, très basique. Moi, c'est au Saint-Joseph. Si je suis la caïman qui m'habite, et si je quitte la caïman pour mal vivre la caïman en tant que voisin, ça n'a pas de sens. Si la caïman c'était, c'est la pluie tombée, l'eau tombée sous moi, eh bien, je cherche un boss
pour venir, pour chercher un technicien pour venir pour porter solution. Haïti, c'est qui ça a gagné, je veux dire. Haïti, c'est un problème des hommes de bonne volonté. Haïti, nous, qui revient à point ça, au-delà des hommes de bonne volonté, moi-même, moi, entraîne à l'arène politique, je suis ancien, je fais coup. L'homme qui a pays a plongé, je me dis, je vais venir aider dans la question et organisation de la cité, organisation du pays. L'homme entré, moi, je ne suis pas qu'un seul café politique en Haïti. Peuple haïtien, il faut me dire, nous, ça, bagarre dans les gens, rien. Les cafés politiques, ils ne sont pas ancrage épistémologique. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de pensée constructive, il n'y a pas qu'à développer le pays. C'est peut-être ça, nous demandons pour nous faire l'autre promotion. Il faut que nous prenions une nouvelle classe politique, côté nous avons des jeunes qui formés, qui sont capables de jouer des pistes de solutions avec les problèmes. Et laisse ça, aucun haïtien ne peut résumer ville dans la partie. Dernièrement, la Brésil lancé ou tout. Mais nous connaissons un problème qui était fait en pile monde qui était payé à ces questions de sécurité. Mais vous demandez pour retourner et vous souhaitez pour Joe Biden pour retourner tout. Le problème n'a pas résolu. Est-ce que vous pensez que c'est bon pour Donald Trump d'avoir retourné par rapport au problème qui était fait ou aller? Peuple haïtien, je dis à ma dit ça à tout cœur. Et ma dit ça, c'est parce que nous, même en université, nous réfléchissons déjà sur ça. Haïti n'a pas un problème de sécurité. Haïti, nous pas des terroristes dans le pays. Par exemple, si nous prenons Nigeria, son pays qui a beaucoup là. Beaucoup à ne pas être dans l'école. Diffusé plus de 200 mouni. Est-ce que monsieur Améo, j'aimerais bien la dimension ça. Monsieur Améo, c'est des mouni qui dans qui grand goût. C'est des jeunes qui pas gagnent, qui mais, pas gagnent. Mais bref, il y a franchi limite la blaise. Il y a nek sa vient descendre pour son déroutouiller et plus qu'on centaine monde. Talé mon cher, qui des gars. Moi m'a venir changer quoi ça monsieur dire parce que moi voulais monsieur fin balé m'a venir sous point ça mon cher. Changer. Et puis zam la tombé dans meyo et puis on dit bam meton bel maillot. Bam meté, bam moulon bel machine. Et ça qu'on a pour automatiquement que au jeune ni on tombe faire photo, il a pour montrer nous. Donc ça c'est cette histoire de terroriser moi, mais que pour arriver dans dimension ça. Donc de ce fait pas une sécurité en Haïti. C'est des politiciens malhonnêtes, des hommes de malhonnêtes, des criminels mais des fatras politiciens qui utilisent négo dans objectif pour mettre babouquet dans bouche. Pour moun yo pas manifester, pour moun yo pas mandé de l'eau, pour moun yo pas mandé l'école, pour moun yo pas mandé l'hôpital. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'ils utilisent les gens. Et puis, de complicité avec Joe Biden, démocrate que nous sommes là, tout à l'heure, ils des démocrates, c'est démocrate qui armé tout le pays d'Haïti, qui bloque toute route nationale. Là, Donald Trump est là, le monde est qu'à voyager, par-ci, par-là. Donc c'est eux-mêmes qui mettent nous dans une situation pareille. Et bien, nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens qui comprennent l'axe géopolitique, nous dit, il n'y a pas de problème de sécurité, le peuple haïtien rentre là avec nous, depuis nous déchouquer CPT, nous déchouquer Gaïkoni, nous mettons des haïtiens, et pas des apatrides, nous mettons des haïtiens qui ont fait des approches théoriques, et puis nous avons fait que le pays a zéro problème de sécurité. Donc, selon le même Ousmane, et si toutefois Donald Trump lui-même a déporté Haïtien, on pense que le pays d'Haïti lui-même a une chance pour l'insécurité à résoudre. Non seulement le pays d'Haïti a une chance pour l'insécurité à résoudre, et tout notre problème va résoudre tout. Question fatra, question si moun pa ka l'école, question la manjaille. Parce que combien de gros hommes nous gagnons qui vivent aux États-Unis? Non, c'est une enquête que je mène. Moi, nous gagnons plus que 4 à 5 000 agronomes qui vivent aux États-Unis. 4 à 5 000 agronomes répartis sur 10 départements pays d'Haïti. Quand des hommes à penser, à réfléchir. Mais on cadre, il n'a pas résolu le problème de question manger. Nous gagnons plus d'intellectuels et sociologues. Des psychologues, des professeurs d'école, des enseignants qui partent, qui vont agir. Depuis que nous avons cadré, le pays a relancé la question d'organisation, en termes d'organisation, en termes de structure. Parce que ce n'est pas des coquilles vides, c'est des gens qui maîtrisent des notions politiques, des gens qui ont des savoir-faire. Donc c'est eux-mêmes qui ont retourné là. Je ne vous dis pas. Moi, nous prenons la bourgeoisie. Nous pensons que c'est paysan, c'est ça nous est les clochards ou bien ça nous est les cocoratios. C'est au parti. Non, mon cher, c'est des cadres qui partent. C'est des cadres qui ont retourné là. Cadres dans l'Elvini. La vie réfléchit. La vie réfléchit sur le problème. Et là, ça, je ne veux pas pour jouer un gars connu, pour jouer Lesti Voltaire qui a encouragé la gang qui a une répression comme modèle. Et puis, là, ça, après Haïti, les libérer et puis Haïti, il fonctionne. Les gens sont prêts pour déporter. Pourquoi ces gens sont prêts à dire la vérité? Bon, et j'en ai toujours dit nous-mêmes, nous faisons l'histoire. Nous comprenons que
nous avons un esclavage, nous avons des esclaves qui étaient coach. Les mecs ont des frais pour partout, pour travailler, pour avoir travail à calo. Lorsque nous avons fait bataille d'indépendance, nous avons lancé la révolte générale le 22 août 1791, nous avons dit attention, nous ne sommes pas d'accord avec bagaille, nous ne sommes pas d'accord. Mais là, nous avons compris la dynamique de liberté, nous avons tout entré. Je dis, Osman Joseph, une position, et position, son position qui réfléchit, qui calcule, qui planifie. Ou même qui est aux États-Unis, l'autre des demandé pour retourner. N'êtes pas à penser que je vais vivre bien. Ce n'est pas du tout. Ce n'est pas ça mon intention. Mon intention, c'est vivre bien en Haïti. Parce que l'autre vivre bien en Haïti, ou pas bien pour paix, aucun nègre qui vient président, parce qu'il n'y a pas besoin de jour, il va le déporter. Ok? Donc c'est la dynamique ça. Ce n'est pas vivre bien aux États-Unis, ce n'est pas vivre bien ces domaines, ce n'est pas vivre bien la France, c'est vivre bien en Haïti. Et il y a une possibilité pour vivre bien en Haïti dans la mesure que nous sommes conscients que nous sommes des Haïtiens, que nous sommes seulement là pour nous vivre. Et c'est la dynamique ça que moi-même je risque. Bon, et Osman Joseph, professeur, moi-même, je vais essayer de quelques points. Osman Joseph avancé là, quelques points que moi, je suis d'accord avec elle, mais en même temps, tout, quelques autres points que je ne suis pas d'accord avec elle. Et presque ce dernier parole, M. Dian, je suis d'accord avec elle pour me dire que le meilleur côté qu'on est capable à l'aise, c'est le lacayou. OK? Meilleur côté qu'on capable à l'aise vraiment c'est le lacayou. Les que nous gourmet pour gagner l'autre Haïti, les ça haïtien qui vivent en Haïti mais haïtien qui décide à vivre en Haïti yo, il va gagner la paresse que pral gagne président pral venir la déporter ou vrai. Ça me d'accord avec monsieur. Par exemple, si Haïti bon haïtien, haïtien qu'en Haïti ou bien haïtien qui était payé longtemps qui décide tout en Haïti, pas gagne un président haïtien pral venir la déporter ou parce qu'il est déjà dans le pays. Jusque là, je suis d'accord avec Osmar et professeur. Mais Kounia, ça que pour Osmar, je ne sais pas dit que moi-même, si je pas trop d'accord avec elle, je demande pour tout le monde qui retourner en Haïti pour venir réfléchir et pour venir gommer. Je demande à Osmar côté monde qui a gommé quand je venais lui. Est-ce que Osmar songe bataille ou ensemble de. Mais si pays est élevé, n'a mandé côte cop petro caribé. Côté mounzao, côté bataille ça. Par contre, j'ai un désir. Côté mounzao, côté bataille ça. Est-ce que bataille là, il finit mené et nous joignent là, j'ai petro caribé, ou bien nous j'ai une explication sur lui, ou dis-moi, est-ce que groupe mounzao, côté aujourd'hui, en pile pas même en Haïti. En pile pas en Haïti, et en pile, laissez me dire tout. En pile là, c'est des mounke, ils étaient instrumentalisés. Yo t'a fait travail boss yo. Yo t'a fait travail des secteurs pa yo. Mais yo pas t'a fait travail pays vrai. Kounya, mais yo t'a vend nous un bagage comme quoi, y a sensibilisé peuple haïtien pour demander côte cop petro caribéen. Et c'est vrai, faut demander côte cop petro caribéen parce que comme ça qui c'est 4 combien milliards de dollars qui était là pour faire développement dans pays hein, que les yo manger là, c'est normal faut nous demander. Mais groupe qui t'a initié question ça, mandé côté groupe ça. Mande côté yo. Mande est-ce que yo pas de gens qui t'a financé yo? Kounya an gade. Combien fois que nous enclenché des batailles déjà en de pays de groupe enclenché des batailles en de pays que bataille ça ou abouti ou dis-moi est-ce que bataille ça gagne une idéologie vraiment? Bien que c'est pas même bataille et pas dans même contexte. Je dis à mande côté groupe moun qui t'a dit que si nous pas voyer Jovenel Moïse aller dans mourir. Côté artistes qui chaque dimanche comme on connaît pas ton carnaval mais chaque dimanche ils organisent un défilé DJ. Les Isolants, les Mathias, les Didio. Mathias pas Haïti encore. Non, ouais, oui, mais c'est gros moraliste aux États-Unis mon cher. Gros moraliste là, gros moraliste. Je dis à la papa l'élection de Haïti mon cher. Gounia, faut la garder là tout. Dernier qui te dit c'est Jovenel qui problème. Allez Jovenel, allez. Je dis à pays à tout bagay. Gounia là, ou pral dim. Monsieur dim pas qui théoriste en Haïti. Mais par contre, comme professeur, m'kwa monsieur kon sa les définitions théoriste. Si ça n'est pas faire là, ou pas théoriste, ça lié men. Hein, ça lié. C'est pas de la gota pour si vicieux kap chache manje. Mais m'sa parle de Boko Haram. Eh mais, qui ça? Next, ça va beaucoup à mieux et tout.
Les négociateurs, par exemple, dans la Tibonite, dans la Ponsonde, négocié jusqu'à présent, pourquoi j'aime des chiffres exacts combien mon négocié dans la Ponsonde, non? Jusqu'à présent, non? Les négociateurs mettaient plus que 700 à 800 000 moun dans la capitale haïtienne, dans deux yo. Par contre, comment on réussit ça? Les négociateurs qui ont caillé, les boulets, les touilles, les violets, maman, les violets petits, les violets sœurs. Par contre, comment on réussit ça? Je dis à ma d'accord, à chaque fois on a dit que c'est instrumentaliser les gens, mais qu'on a ça les gens fait là, yo qui négocier monsieur, il va gagner boss. Mais discours qu'a perdu dit que c'est travail boss il a fait, on connaît oui, mais je dis là négocier monsieur tu. Bien, l'aime dit négocier monsieur tu a dit, il a toujours gagné boss oui, mais qu'il est actionné quoi poser là et pas boss à bailler au l'autre là. C'est pas boss à bailler au l'autre là, c'est il a fait affaire. Imaginez, négocier là dans des solino. Négocier là dans des solino. Mais faut que la fin d'aconné. Est-ce que problème non? C'est boss un boss qui dit yo, faut que yo détu solino ou dit mais c'est yo qui dit bon, faut que craser solino. Faut me poser question. On ca d'accord. Premier groupe zam négocier gagnant, c'est bayo té bayoul. Mais zam yo gagnant c'est bayo bayoul. Là dit baba baba, dit c'est yo arrange yo cache les zam yo. Ah, les lames sans jus mettaient des nègres capés le mario. L'idiot s'est volé. Et bien, ça l'est lui-même. Et bien, l'idiot s'est au grand la journée, tout le monde. Ouais. Les mêmes qui ont lames sans jus pour un nègre, ils mettaient le coucher à terre de cils. Ça y est. Les nègres ont détruit. Comme si ils ont détruit un monde, un groupe monde, puis ils sont capables de montrer qu'ils ont fait zèbre, ils ont pris la population. L'État, ils ont fait l'argent, ils ont fait manger. L'argent, ils ont fait côté aujourd'hui. Il était travaillé pour lui, et bien on l'a détruit. Par contre, tu comprends? Par contre, tu comprends? On a dit ça, comprendre, et dit ça moi-même. Bah, le problème, non, c'est idéologie, monsieur. Mais qui des points là, je ne suis pas d'accord avec vous. Mandez pour déporter tout haïtien, yo, pour venir faire pays, pour passer pays, moi, c'est oui, c'est pas ta, ça. Et pas ta problème. Et pas ta problème. Mais comme ça m'a dit, faut éliminer génération politique qui là, classe politique qui là, société civile qui là, droits humains qui là, ou les gars corrompus. Faut regarder ça honnête. Si nous aussi, y a déporté Haïti ça, y a n'importe avec même mon présence, même mon ça yo, on est pas jamais changé frère, on est pas jamais changé. Ok, moi d'avance désir. Moi, dans la situation qui vient dans le pays à Blaise, moi, chaque fois que je regarde, nous, dans l'analyse, dans la compréhension, nous, l'autre Haïti, il est capable possible. Mais, dans ce que je regarde, la pari conscience, ensemble, autorité perdue, ça a gagné comme unité. Il n'y a pas pour faire n'importe qui bagaille, n'importe qui l'est, pour bosser, pour patrouiller, pour l'argent. Et au bon peuple qui accepte n'importe ça. Yo jwenn n'importe ça que pote ba yo n'importe ça que offrir. Ou gon peuple qui plus ça prétend que on vinn voler au secours yo, pour les arranger yo, pour chercher stabilité pour propre tête yo. OK? Professeur a dit on bagarre Blaise et sous question problème de sécurité a, yo pratiquement conduit nous tout non situation pour parler de insécurité. Parce que ou pas ka ouvrir une page, ou pas ka ouvrir une news pour pas qu'il a parlé de insécurité de la situation en Haïti. À partir de ça, que les gens tout continuer dans van corruption, dans faire toute qualité de brigandage dans l'administration publique. Moi-même, moi, quoi que, quand on a parlé d'insécurité, je veux dire, bataille qu'on doit mener contre la corruption en dedans de pays, il doit venir en bataille réelle. Surtout, l'on a trois conseils présidentiels qui décident à l'ouvrir. Tout Haïtien ou bien tout immigrant qui est aux États-Unis d'Amérique, t'a de déporter. Malheureusement, son professeur à l'université qui a parlé comme ça, il n'a pas évalué ça la dire. Est-ce que les États-Unis, pratiquement, a bien plus de bénéfices en déportation et immigrants ou bien ça fait plus de déficit? Bah, vraiment, quoi que bénéfice a plus bon pour les États-Unis, non? On connaît la grande pile maintenant, dans les États-Unis d'Amérique. Si tu as décidé un bon matin, tant que tout le monde comprenne, retirer tout immigrant. Bon parti qui est apprécié. Parce que monsieur Mouton lycée, yon nationaliste. On est qui remet la caille. Parce que si là, on continue à vivre là,
Mais c'est parce que lui-même il senti que ça a fait à la pas faire paix. Mais elle moun ça a fait la faire paix. Tire tête pour protéger la vie, protéger la vie famille. Comme si comme on t'a vle, on est tant comme t'a arrêté camper tir rivière, dans mi temps nèg ça vient cap déchirer moun au niveau ça. Comment t'a vle ça? Mais même parce que réflexion yo, yo besoin plus bien cadré. Essayez regarder fait sociologique qui est là. Analysez bien. Parler de Boko Haram, eh ben nèg va agir différent. Peut-être que je parle de Boko Haram à l'école, yo touye, yo touye moun l'école. Mais nèg ça yo, yo parle l'école, ou parler que nèg de rentrer l'église al kidnapper moun al fait qualité exaction. Ou parler de Boko Haram qui connait l'école qui a touye moun. Et nèg ça qui en est allé. Bon, quel côté entre l'école bien l'église détruit. Nèg l'hôpital, yo détruit. L'hôpital, yo détruit. L'université, yo détruit. Bon même loge Kenek yo di yo kwe, yo kwe dans mystique, yo se si yo se la, ouais même loge va pa nyan ba nek sa ou. Et puis je dis pour abdi yo pa théoriste. Zak ki a posé la ki non ki a bali. Mon ta bien remè ke professeur ba l'on noble de cette façon. Merci à pile des Ivenes, merci avec